Dieu voulait, en créant l'homme, Dieu voulait faire une extension du ciel sur la terre où il voulait régner au travers de sa créature qui était l'homme, créé à son image. Et nous avons vu que Adam et Ève ont perdu le royaume de Dieu. Quand ils ont péché, ils ont donné, ils ont cédé en même temps qu'eux-mêmes les droits de gestion sur la terre au niveau leadership économique et social. Et ce qui s'est passé, bien sûr, après, c'est que la terre a été un chaos et nous l'avons déjà vu. Nous avons vu comment même le fils d'Adam, un des fils d'Adam, est devenu un meurtrier et qu'il n'y avait personne pour le punir. Ensuite, on a vu un certain Lémec qui a commencé à prendre plusieurs femmes alors qu'il n'avait pas de problème spécialement avec la première, qui est devenu un meurtrier aussi. Ensuite, on a vu qu'il y avait un désordre tel avec les hommes que Dieu a dit: je ne peux plus continuer comme ça, le cœur de l'homme est éloigné de moi et il est porté vers le mal. Et ce qui s'est passé après, donc Dieu a envoyé le déluge, nous avons vu ça. Et on voit que quelques générations après le déluge, les hommes se mettent ensemble et ils veulent faire un seul peuple sous une seule langue et se liguer contre Dieu et la connaissance de Dieu. Donc on a vu que Dieu va confondre leur langage, c'est à Babel. Et là, des peuples vont naître, des nations vont naître. Et nous avons vu qu'au bout d'un moment, il y a un homme qui va recevoir une promesse qui s'appelle Abraham. Et Dieu voulait faire un peuple au travers de sa descendance, c'est ce qu'il a fait. Le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, nous l'avons vu, devait quoi faire ? Devait d'abord garder la connaissance de Dieu et la répandre. Mais ils n'avaient rien compris au royaume. Le royaume était perdu et Dieu n'avait pas abandonné son idée. Et Israël va demander un roi. Et rappelez-vous, Samuel était choqué. Samuel il était fâché, il va vers Dieu, il dit: voilà ce que ce peuple veut. Et Dieu lui dit: ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi, parce qu'ils ne veulent pas que je règne sur eux. Et nous avons vu que c'est encore une histoire de royaume. Il faut bien savoir discerner les Écritures. Donc Israël a des rois et la royauté en Israël sera aussi une catastrophe, comme elle l'a été d'ailleurs partout dans le monde. Le seul qui peut être vraiment le vrai roi dans toute la justice, il s'appelle Jésus. Et nous avons vu qu'au 6e siècle avant Jésus, un prophète va recevoir une révélation extraordinaire au travers d'un roi qui avait conquis Israël, qui s'appelait Nabucodonosor, et qui va faire un rêve, qui va d'ailleurs amener ce rêve quand il va en avoir la révélation par Daniel. Et ce roi va se repentir plus tard et adorer le seul vrai Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais on a vu qu'il va avoir une statue avec des différents empires et une petite pierre qui vient frapper les pieds de cette statue et toute cette statue s'écroule. Et Dieu était en train de révéler la plus grande des choses qui allait se produire, dont nous sommes des participants. Je vous rappelle que je vous fais cette série très longue sur le royaume de Dieu, manifester le royaume, parce que je veux que vous compreniez ce pourquoi vous êtes ici sur la terre.
mugomba kubatahuza igituma muri gahunda. Et tant que ça ne sera pas en vous pleinement. Kandi umwanya bitazabira binjiramo neza. Vous ne pouvez pas être efficace dans votre vie chrétienne. Nimushobora kuba abantu bashitse mu buzima bwanyu. Vous serez des chrétiens qui seront ballottés à droite et à gauche. Mucika ba Kristo bago bavyuka hijya no hino. Qui chercherez la petite bénédiction à droite, la petite bénédiction à gauche. Et le jour où vous avez votre bénédiction. Kandi umunsi mwaronse umugisha. Eh bien, vous commencez à vous refroidir pour Dieu. Mugacha mutangura gukanya biwanyu. Et ça c'est le piège de beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Kandi ivyo nivyo tubona mu nyigisho nyinshi. Ou des prophètes pilipili qui vous raconteront que demain tout va bien, tout va changer. Moyennant une offrande, bien sûr, très consistante. Ces bandes de flatteurs. Donc Dieu va montrer qu'il y a une petite pierre. Bien sûr, c'est Jésus, cette petite pierre. Et d'un seul coup, elle fait écrouler les systèmes de ce monde. C'est l'image de la statue. Un royaume qui ne sera jamais changé, qui ne sera jamais détruit. Et cette petite pierre va devenir une grande montagne qui va se répandre dans le monde entier. C'est le royaume de Dieu, nous savons. Six siècles plus tard, Dieu le Fils s'est fait chair. Et justement, c'est là où le royaume va pouvoir naître au travers de son sacrifice. Je vous rappelle que tous les personnages de l'Ancien Testament, jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, tout le monde était mort spirituellement, n'était pas fils du royaume de Dieu. C'est au travers de la résurrection de Jésus, au travers du miracle de la nouvelle naissance, que les portes du royaume ont été ouvertes. Et c'était un des objectifs de Jésus. Le Père avait tout planifié. Rappelez-vous la parole de Dieu et l'histoire d'un royaume qui a été perdu, mais qui va être restauré et après instauré. Et nous allons discuter, nous allons parler de cela parce qu'il faut que vous compreniez le plan divin. Si nous prêchons l'évangile aujourd'hui, ce n'est pas pour remplir des églises. Ce n'est pas pour jouer les pasteurs ou les évangélistes ou les prophètes ou les apôtres ou les enseignants. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est pour construire le royaume de Dieu. Et je veux que chaque chrétien d'El Shaddai comprenne son rôle, prenne ses responsabilités de telle façon que nous puissions être enflammés pour le réveil qui vient. Donc nous savons que Jésus est venu pour deux grandes missions et que la première chose qu'il va faire, il va prêcher le royaume par la repentance. Il vient, il amène la connaissance du Père, de Dieu. Et il montre son amour, l'amour du Père, par les guérisons, par les délivrances, par les miracles sur les corps, par les miracles de provision. Et quand vous regardez Jésus, il vit comme un dominateur sur cette terre. Par contre, je ne le vois pas jouer les VIP avec toute une escorte autour de lui qui lui font tous les honneurs, etc. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Des gens qui se donnent des titres à n'en plus finir et veulent utiliser l'évangile pour s'élever. Et souvent, malheureusement, ce sont des gens qui, dans la société, n'ont rien fait. Et ça, ce n'est pas biblique du tout. Jésus est venu comme un simple homme. Il n'a pas cherché les honneurs, mais il a démontré le royaume. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, frères et sœurs. À démontrer le royaume en gardant toute la simplicité et l'humilité de Jésus. Et il est temps que ce message passe partout. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. On voit toutes sortes d'événements gospel ou de trucs à droite et à gauche où on veut réunir des gens histoire de montrer qu'on est grand. Jésus n'est pas venu pour montrer qu'il était grand. Jésus est venu démontrer l'amour du Père. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est pour ça qu'il s'est donné.
Il s'est donné parce qu'il nous aimait. Il s'est donné parce qu'il nous voyait prophétiquement avec lui. Il s'est donné parce que son cœur était rempli de compassion. Et il voyait la misère humaine. Donc il nous a montré comment faire. Il nous a montré que son royaume n'était pas de ce monde. C'est ce qu'il a dit devant Pilate. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et quand ils ont voulu le faire roi, certains parmi les juifs ont voulu faire de Jésus le roi. Il a dit non, parce que ce n'était pas le temps. Mais un jour, il sera roi. Il sera roi pour l'éternité. Et nous sommes ses sujets, frères et sœurs. Nous sommes les sujets du royaume. Et il va falloir que vous compreniez votre place dans le temps présent et dans l'éternité. Si on parle beaucoup de destinée aujourd'hui, si on parle de réussir sa vie, il ne peut pas y avoir de vraie réussite selon Dieu, ni de destinée selon Dieu, si vous ne comprenez pas le message que je suis en train de vous donner. Si tu ne comprends pas le royaume éternel, tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas entendre sur la destinée, sur réussir, finalement tu l'utiliseras à tes fins charnelles, parce que tu ne comprendras rien. Et Dieu veut que tu comprennes pourquoi. Dieu veut sonder tes motivations. Dieu ne pourra pas t'élever par hasard. L'élévation vient de Dieu, mais elle ne se produit pas par hasard. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, demain il y a ton élévation qui est là. Ok, tout ça c'est bien gentil, c'est bien mignon, c'est de la belle phrase, mais si tu n'as aucune intelligence du royaume, ça ne se passera pas, parce que Dieu ne pourra pas t'élever si ton caractère n'est pas travaillé et si tu n'as pas compris réellement le royaume de Dieu. Et Dieu veut que tu le comprennes pour porter les fruits qui le glorifient. Donc nous savons que Jésus s'est donné, sa deuxième mission c'était son sacrifice. Et nous avons vu que Jésus meurt et ressuscite. Et je ne veux pas insister trop sur le sacrifice de Christ et tous les immenses bénéfices de ce merveilleux sacrifice, parce que sinon nous passerions des centaines et des centaines d'heures à le faire. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est que Jésus nous a ouvert la porte du royaume. Rappelez-vous cette discussion qu'il a eue avec Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jésus parlait du plus grand des miracles dans le cœur d'un homme que Jésus a rendu possible grâce à son sacrifice, par son sang divin qui a coulé à la croix. Par son sang divin qui a coulé à la croix. Et par sa résurrection glorieuse. Alors, quelles étaient les motivations de Jésus ? Ça, je veux vraiment que vous le sachiez. Quelles étaient les motivations de Jésus ? Parce que ces motivations doivent être tes motivations aujourd'hui. Sinon, ça veut dire que tout ce que tu fais pour le Seigneur, j'en ai entendu des gens qui disaient, je chante pour le Seigneur. Mais non, tu chantes pour toi. Tu chantes pour ton CD, ton DVD, pour ton gospel, machin truc, pour que tout le monde t'applaudisse. Les chanteurs, je ne m'adresse pas à vous. Je vous assure, c'est sans arrière-pensée. Je sais que vous vous tenez très bien. Et je bénis le Seigneur pour l'équipe qu'on a ici. Parce que franchement, le végétariat, ils n'aiment pas ça. Le végétariat, ils n'aiment pas ça. Le végétariat. Modeste. Il faut appuyer sur le bouton Maître Modeste. Après, il y a les branches. Mais vous savez qu'il y a plein de gens qui chantent. C'est juste pour se montrer. Plein de gens qui prêchent. Surtout les petits jeunes. Moi, je prêche. Et ils sont là en train de se gonfler. Et un an plus tard, ils ont explosé. Il n'y a plus personne.
Pourquoi ? Parce que les motivations sont pourries. Jésus avait deux motivations. Ça, si vous pouvez retenir quelque chose ce matin, c'est les motivations du Seigneur. Jésus avait deux motivations qui doivent être tes motivations. La première motivation que Jésus avait, la première, qui est une motivation fondamentale, c'est que Jésus faisait tout, tout ce qu'il a fait. C'était par amour pour son Père. C'était la première motivation de Jésus. Tout ce que Jésus a fait, quand il a pardonné verbalement le péché, quand il a ressuscité les morts, quand il a guéri les malades, quand il voyait des paralytiques, et que ces paralytiques se levaient, quand il délivrait des démoniaques, c'était par amour pour son Père. Et toi, quand tu fais quelque chose, c'est par amour pour qui ? Quand tu fais quelque chose, tu dis que tu fais quelque chose pour le Seigneur. Tu fais ça par amour pour qui ? Pour toi-même ? Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Ils disent, ah, moi, je sers Dieu. Hein. Mais lui ou elle, il me dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Tu sers le Seigneur pour qui ? C'est quoi ta motivation ? Tu donnes à qui ? À l'église El Shaddai ? Non, mais t'as tort. Tu donnes au royaume. Le royaume qui appartient au Père, dont le Fils est héritier, et dont les filles et les fils ici, nous sommes co-héritiers. Ce que tu fais, est-ce que tu le fais par amour pour ton Père céleste ? Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, est-ce que ton cœur brûle pour ton Père qui est dans le ciel et qui le voit ? Quelles sont tes motivations, mon frère, ma sœur, quand tu sers dans cette église que peut-être tu n'es pas vu ou que tu essayes d'être trop vu. Il y a des gens qui ont des attitudes différentes. Il y en a qui ont des attitudes où en fait ils ne sont plus par personne et ils font un très bon boulot très discret. Jésus dit, le Père qui te voit dans le secret te le rendra. Absolument. Amen. Absolument. Par contre, il y en a d'autres, ils veulent trop se faire voir. Et encore vraiment dans l'église ici, j'ai rarement ce genre de cas. Je crois qu'on a toute une équipe qui aujourd'hui veut travailler pour le Seigneur. Et j'aimerais que cette équipe se multiplie par centaines et par centaines et par milliers plus tard. Parce que quand nous sommes dans les bonnes motivations, il y a des gens qui font un travail ici fantastique juste parce qu'ils ont compris. Et des fois, ils viennent vers en disant, pasteur, on a vu ça, ah, c'est merveilleux. Et oui, c'est normal. Parce que tu commences à comprendre. Tu commences seulement à comprendre. Et quand tu vas beaucoup comprendre, Dieu va pouvoir t'utiliser d'une façon incroyable. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est d'être enflammé. D'être enflammé d'amour pour le Père. Jésus a fait des déclarations que vous allez mieux comprendre maintenant. Regardez ce que Jésus a dit. Jean chapitre 15, verset 10. On voit cette relation que Jésus avait avec son Père. Jean chapitre 15, verset 10. Jésus avait une telle relation avec son Père céleste que ce qu'il faisait, la façon dont il priait, ça sortait d'un cœur d'amour brûlant pour le Père. Et toi, quand tu pries, tu pries les lamentations de Jérémie, les lamentations de Modeste? Non, il ne se lamente jamais. Jamais.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Nimwitondere ibyagezwe byanje, muzoguma mu rukundo rwanje nkuko naje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. On voit vraiment cette relation que Jésus avait avec le Père. Urabona iyo migenderanire Yesu yarafitaniye na Se. Tout ce qu'il a fait. Ibyo yakoze byose. De la prédication de l'évangile. Mu kuvuga ubutumwa bwiza. Jusqu'au moment où il s'est où il était ressuscité d'entre les morts. Gushika umunsi yazuka avuye mu bapfuye. Tout était par amour. Byose yabikora mu rukundo. Pour le Père. Akunda data. Et toi? Nawe. Bah moi le Père, je sais qu'il y a le Fils, je sais qu'il y a le Saint-Esprit, mais il y a le Père aussi. Il y a des chrétiens, ils ne savent même pas qu'ils ont un Père céleste. Pourtant, Jésus le savait. Et tu as plutôt intérêt à étudier la parole et à découvrir qui est ton Père. Je ne te parle pas du Père naturel, peut-être que tu ne le connais plus, peut-être qu'il est mort. Peut-être que tu ne l'as jamais rencontré, peut-être que tu as une mauvaise image de lui. Ça, ce n'est pas de ta faute. Par contre, il y a un Père dans le ciel. Et tu es son fils. Tu es sa fille. Et tu dois être fier de lui. Et tu dois toujours lui parler. Père, papa. Et tu t'adresses à lui. Et tout ce que tu fais, tu fais en rapport avec l'amour que tu as pour lui. Et c'est comme ça que tu dois apprendre. Je t'assure, ça te libérera de beaucoup de choses. Ça te libérera de ce que, du quand dira-t-on. Ça te donnera une assurance dans la parole que tu ne pourras jamais avoir autrement. Ça te permettra d'être vraiment proche de ton Père Céleste et de le voir agir dans ta vie. Juste parce que tu découvres son amour. Et tu vas apprendre à connaître son amour, à réaliser qu'il t'aime. Et même dans les moments les plus difficiles de ta vie, tu viendras auprès de lui. Comme Jésus est venu auprès de lui dans le jardin de Gethsémané. La Bible nous dit qu'il s'est jeté par terre. À ce moment difficile où il devait dire oui pour se donner en sacrifice. Et qu'il savait qu'il allait souffrir d'une façon terrible. À ce moment-là, il a prié son Père. Il faut que tu découvres ça. La révélation du Père. Parce que tu ne pourras jamais être motivé comme Jésus était motivé. Si tu ne fais pas les choses par amour pour ton Père, que tu ne prends pas des décisions par amour pour ton Père, tout ce que tu prends comme direction, est-ce que tu le fais par amour pour ton Père? À chaque fois que tu veux servir le Seigneur, est-ce que tu le fais par amour pour ton Père? Alors, quand on parle de l'amour que Jésus avait pour son Père, on pourrait passer beaucoup de temps dedans. On va regarder un autre verset, Jean chapitre 5. Il y a toute une belle étude à faire sur l'amour du Père. Jean 5, verset 30. Et ça, c'est très important, surtout la deuxième partie où Jésus dit, bon, je vais lire la première partie du verset, mais c'est surtout la deuxième qui m'intéresse ici. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même selon que ce que j'entends, je juge, ce que j'écoute en fait. Je juge, c'est-à-dire je discerne. C'est ça que ça veut dire ici. Et mon discernement, plus ça serait une meilleure traduction, est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Jésus, c'était son attitude. Il cherchait toujours la volonté du Père. Et c'est pour ça que le Père lui parlait souvent. Tant que tu es rempli de ta propre volonté et que tu pries ta volonté, tu pries que Dieu rentre dans ta petite boîte, ça ne marchera pas. Au moment où tu comprends
mwanyu tahuye. Il faut que tu soumettes ta volonté à la volonté de ton père. Ukabuguti ndagomba yuko ukugomba kwanje guca munsi yukugomba kwimana. Parce qu'il t'aime et qu'il a le meilleur pour toi. Kuki gukunda kandi gufitiye byiza. Alors à ce moment-là. Murako kanya rero. C'est là où le Saint-Esprit va te parler. Ahoniyo mwemwe w'Imana azaza. Il te parlera régulièrement. Akakubwira ubudahegesha. Il te dirigera. Akakuyobora. Et il t'amènera là où il veut t'amener dans ta destinée. Akagutwara mu ahugomba gushika. Et tu pourras être une vraie bénédiction. Ugacika umugisha. Pour le royaume de Dieu. Kubwo bwami bw'Imana. Mais il faut que tu comprennes ce principe. Donc Jésus était motivé d'abord par l'amour qu'il avait pour son père. Maintenant, la deuxième chose qui motivait Jésus, c'était vraiment de détruire les œuvres des ténèbres. Il faut que vous compreniez deux choses. Vous savez, il y a un côté où on a cette relation d'amour avec Dieu, mais nous devons aussi avoir cet aspect, je dirais, de combat spirituel contre les ténèbres. Ça veut dire que d'abord, Tu comprends que tu dois conquérir sur le royaume des ténèbres avec la lumière de Christ et tu dois dominer dans tes circonstances comme Jésus a dominé. Jésus n'était pas quelqu'un de mou. Souvent, on est là, on dit « Ah, l'amour de Dieu !» Ah, oh, l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu. Vous voyez ? Et puis les chrétiens sont mous, ils réagissent devant rien. Ils se font piétiner par les circonstances, ils se font piétiner par le diable. L'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu, oui, entre ton père et toi, oui. Mais contre les circonstances sataniques, c'est toi qui dois prendre les choses en main. C'est important. Vous allez le voir, je vais vous le montrer dans l'Écriture. Il faut que vous ayez ces deux côtés. L'amour est de passer du temps de relation avec Dieu de qualité et être comme des conquérants contre les circonstances sataniques. Et là, vous avez des décisions à prendre. Certains, vous avez commencé à vous mettre dans tous les programmes qu'on fait d'évangélisation. Et comme par hasard, il y a des choses dans un coup qui vous bing bing vous rencontrez des circonstances terribles. Des trucs de l'opposition satanique. C'est pas le temps de dire « Oh, père, papa. » Non, c'est le temps de dire au nom de Jésus. Satan, tu ne m'empêcheras pas d'aller servir mon Dieu, d'aller gagner des âmes perdues, d'aller prier pour les malades, de délivrer les démoniaques. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministere-elshaddai.com.